pour les premiers face aux Hongrois, Zombatelli pour les seconds. Et puis la première journée de l'Euroleague féminine, c'est ce soir avec un club français à suivre, Bourges, qui joue à Venise. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h46, merci d'être avec nous, on est en direct évidemment et on accueille ce matin le nouveau chef du groupement Ouest des pompiers de l'Allier, le commandant Arnaud Manry. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être à notre micro. Bienvenue à notre micro, Laurent. Il y a un petit bug technique. Non, il y a pas. Ça va le faire. Vous êtes donc le chef du groupement Ouest depuis quelques jours maintenant. Déjà, ce qu'on a envie de savoir, c'est qui vous êtes. Un petit peu vous présenter. Ben écoutez, j'ai 47 ans. Je suis natif du Cantal. Je suis sapeur-pompier depuis 1989, où j'ai commencé sapeur-pompier volontaire. J'ai été recruté le 1er septembre dans une petite caserne du Cantal. Voilà, c'est une vocation. Hein, j'ai tendance à dire, je suis né avec un casque sur la tête, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas d'antécédents familiaux. Je suis pas d'une famille de pompiers, mais voilà, ça s'explique pas. Voilà, on est avec cette envie qui ne vous lâche pas, et j'ai eu la chance et l'immense joie d'en faire mon métier. Voilà. Ouais. Vous avez évolué donc le Cantal en tant que pompier volontaire tout d'abord. Oui, puis ensuite j'ai fait mon service national également dans les formations de sécurité civile en 1992, et puis j'ai passé mon concours de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe, et j'ai été recruté au corps départemental de Seine-et-Marne. Ok. Voilà, donc je me suis expatrié en région parisienne pour apprendre mon métier. Avant de revenir en Auvergne, donc avec notamment une bonne connaissance évidemment du territoire de l'Allier. Hein. Alors oui, je suis d'abord revenu dans le Cantal, hein, dans mon terroir familial. Voilà, j'ai monté différents grades et puis j'ai passé le concours de lieutenant en fait. Et c'est une chance d'avoir été recruté dans l'Allier en 2004, où j'ai intégré le centre de secours principal de Vichy en tant qu'officier lieutenant chargé de la formation. Donc Vichy. Et puis ensuite Moulins pour les dernières années. Exactement. Voilà. Après, donc j'ai évolué et effectivement, ma direction a souhaité m'intégrer dans la direction départementale en tant que chef du service prévision. Et donc voilà. En 2013, j'ai donc migré vers l'état-major et je l'ai quitté donc le 1er octobre pour rejoindre le centre de secours principal de Montluçon. Pour mes nouvelles fonctions de chef de groupement. On va en parler dans un instant, mais quand vous dites chef de service prévision. Pour le grand public, c'est quoi exactement? La prévision, c'est la défense incendie, c'est la défense extérieure contre l'incendie. Donc, vous voyez, quand les sapeurs-pompiers contrôlent les poteaux d'incendie pour s'assurer que l'on puisse disposer de l'eau pour pouvoir éteindre les incendies, bah voilà, c'est tout le travail que l'on fait en fait de préparation à l'opération. Donc, identifier les établissements à risque, faire de la cartographie, prévoir des atlas pour que nos sapeurs-pompiers puissent rejoindre dans les meilleurs délais les lieux de l'intervention, c'est le travail du service prévision qui chapeaute en fait les différentes cellules qui sont dans les trois centres de secours principaux du département. C'est un travail hyper important finalement en amont, puisque ça, nous on le voit pas, enfin, bien sûr, quand on voit les interventions. Bien mais, sûr, c'est un travail très important. Et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de relations avec d'autres services. C'est un travail où on est en relation avec les services de la préfecture, avec les gestionnaires de réseau, avec voilà, l'hygiène, enfin tout ce qui nous propose des outils pour pouvoir améliorer la préparation opérationnelle des sapeurs-pompiers. Bon, comment vous abordez là cette nouvelle tâche à la tête du groupement Ouest? On schématise un petit peu pour les gens qui nous écoutent. C'est le grand bassin montluçonnais, l'arrondissement de Montluçon, avec 15 centres de secours. Alors, ma mission en tant que chef de groupement, la mission est simple, c'est de pouvoir appuyer les chefs de centres, des centres de secours qui maillent ce territoire. Mmh. On a un maillage qui est très intéressant et qui est bien fait. On a des centres de secours qui sont très fonctionnels, très opérationnels. On va en inaugurer d'ailleurs un à Doyer le 16 novembre. Ma mission, c'est d'appuyer les chefs de centre. Voilà. Aujourd'hui, un chef de centre, il est sapeur-pompier volontaire, il occupe la fonction de sapeur-pompier volontaire et de chef de centre en plus de ses fonctions opérationnelles. Bien sûr. En plus de son travail, en plus de son temps de loisir, et on leur demande énormément de choses. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'appuyer ces personnels pour pouvoir leur faciliter la vie, leur faciliter la tâche. Favoriser le recrutement aussi de sapeurs-pompiers dans nos centres, ouais. Pérenniser cet engagement, parce que ça aussi, on a une fluctuabilité des effectifs, hein. On a beaucoup de jeunes qui rentrent, qui 2 ou 3 ans après s'en vont. Mmh.
Voilà, donc on a vraiment un travail à faire pour faire en sorte que dès que la population a besoin, dès qu'elle fait le 18, nos camions puissent partir en intervention avec des gens formés, équipés et motivés. Ouais, le groupement Ouest, c'est 600 pompiers à peu près, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est ça, on a environ 600 sapeurs-pompiers sur le groupement Ouest, dont 60 professionnels sur le secteur de Montluçon, sur le CSP de Montluçon. Mmh. Et le reste, donc, ce sont des volontaires. Et le reste, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires, voilà, qui répondent à l'appel du BIP dès lors que la population en a besoin. Alors, vous le disiez, l'engagement est parfois volatile, entre guillemets. Ça, c'est une évolution. C'était peut-être pas forcément le cas il y a 15 ou 20 ans. Oui, tout à fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, les bassins de vie évoluent et les populations migrent énormément. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui rentrent à 18 ans et qui, à 21 ans, trouvent du boulot ailleurs et quittent les bassins pour pouvoir, bien sûr, aller travailler. Ouais. Voilà. Donc, on a vraiment une grande perméabilité dans les effectifs, ce qui nécessite aussi de les pérenniser, d'anticiper. Et c'est dans ce cadre-là que nos sections de jeunes sapeurs-pompiers sont très intéressantes, puisqu'on en a 4 dans l'arrondissement. Ennel-Château, Uriel, Montmarot et Commentry, qui permettent d'avoir un vivier de personnes que l'on prépare pour pouvoir devenir sapeurs-pompiers volontaires. Il faut évidemment maintenir tout cela. Il y a eu un gros travail de communication qui a été fait au niveau départemental pour l'engagement. Tout cela va se perdurer, bien évidemment. Bien sûr, on ne lâche pas l'affaire parce que on se rend compte qu'effectivement nos effectifs varient. On peut avoir une période où on est satisfait et puis on va avoir une période de départ en retraite ou de mutation qui va faire que on va être en difficulté. Donc on a vraiment toujours besoin d'avoir ce vivier et d'avoir un potentiel qui se renouvelle. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui se disent « oui, j'aimerais bien m'engager, faire les formations », comment il faut faire? Il faut contacter le SDIS? Alors, il faut contacter le chef de centre de la caserne la plus proche. Alors, c'est pareil, on ne peut pas prendre tous les gens comme sapeurs-pompiers volontaires. Mmh. Vous imaginez bien qu'il faut qu'on soit dans un certain délai pour rejoindre le centre de secours. Si vous habitez trop loin, malheureusement, on ne pourra pas vous prendre parce que vous ne pourrez pas monter dans l'engin dans un délai qui soit raisonnable. Donc, voilà, il faut déjà habiter à proximité d'un centre de secours, prendre contact avec le chef de centre. Il y a bien sûr des conditions médicales pour pouvoir devenir sapeur-pompier. Donc voilà, avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie, être un peu sportif, avoir le goût un petit peu de l'aventure. Et puis on se lance dans une aventure passionnante avec des formations qui permettent de très rapidement maintenant de devenir opérationnel. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a le SDIS 03 aussi qui a évidemment son site internet où on peut évidemment avoir des questions justement sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on avait une question de quelqu'un qui demandait si vous, au sein de la caserne de Montluçon, vous faisiez des formations premiers secours également. Effectivement. À tous. Alors c'est l'Union départementale qui pilote ce genre de formation. C'est exactement pareil. Hein. C'est des sapeurs-pompiers de l'Allier qui vous forment, sauf que c'est sous l'égide associatif. Mais effectivement, le centre de secours principal, les gens qui souhaitent se former aux préventions et secours civiques de niveau 1, le PSC1, peuvent bien sûr prendre contact et aller aussi également sur le site internet de l'Union départementale des sapeurs-pompiers où ils ont un questionnaire à remplir en ligne en fait et on les contacte derrière pour pouvoir organiser une session de formation au premier secours. C'est très important. Je profite de l'antenne pour signaler qu'on a vraiment, un manque en France, je généralise, de personnes formées et on a malheureusement des drames qui se produisent et les gens ne savent pas quoi faire, ils ont peur de mal faire. Or aujourd'hui, ce qui tue, c'est de ne rien faire. Donc il vaut mieux faire peut-être mal ou moins bien, mais il vaut mieux agir et tenter un massage cardiaque plutôt de ne rien faire. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Union départementale. On avait vu qu'il y avait aussi une campagne qui avait été lancée après les attentats malheureusement également de 2015 pour qu'un maximum de la population soit formée au premier secours et vous êtes évidemment un interlocuteur privilégié. Le métier de pompier, vous qui connaissez maintenant depuis plusieurs décennies, il a évolué. Oui, il a évolué. Quand je suis rentré sapeur-pompier, nous étions des soldats du feu qui faisions de temps en temps du secourisme. Aujourd'hui, nous sommes des professionnels du secours qui, de temps en temps, faisons de la lutte contre l'incendie. Mmh. On voit le basculement. Ouais. On voit le basculement et voilà, 80% de nos missions sont du secours à personne. 7% restent de la lutte contre l'incendie. Donc on se rend compte que voilà, le soldat du feu dans l'image populaire du camion et de la grande échelle, aujourd'hui, quand on recrute nos sapeurs-pompiers, on leur dit « attention, vous aurez plus de chances de faire du secours à personne que de faire le feu ». Voilà.
Voilà, donc ça c'est une évolution. Vous parliez de lutte contre les incendies. On a eu un été compliqué dans l'Allier, notamment dans le bassin montluçonnais, sur l'aspect feu de végétation. Il y a une vigilance toujours de rigueur, même si évidemment la période est un petit peu passée. Alors pour nous, la saison, effectivement, feu de végétation, elle a été très compliquée, notamment sur l'arrondissement de Montluçon. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec les précipitations, elle est terminée. Toutefois, le déficit hydrique, et notamment la végétation a énormément souffert de cette sécheresse, et il faudra, je pense, de longs mois avec des précipitations importantes pour pouvoir reconstituer cette ressource en eau. Et on sera particulièrement vigilant au printemps et à l'hiver, parce que le printemps et l'été prochain risquent d'être compliqués si on n'a pas à nouveau des précipitations. Évidemment, prudence et messages de prévention, c'est ce qu'on peut rappeler. Bien sûr. Voilà, on n'est pas dans le sud de la France, mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'il y avait des imprudences et qu'on avait des départs de feu qui étaient liés à ces imprudences. Donc, prudence, dès lors qu'on est en milieu végétal, on a vraiment une végétation qui a énormément souffert et surtout sur l'arrondissement Montluçonnais. Merci beaucoup. Commandant Arnaud Manry, donc nouveau chef du groupement Ouest de Montluçon. Intéressant de parler avec vous à l'occasion de votre arrivée sur le groupement territorial Ouest. À bientôt, merci d'être passé à notre micro. Avec plaisir, merci. Il est 7h56 sur RJFM, on continue le direct d'ici quelques secondes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Hey les copines, la maison du corset by Céline fait une liquidation avant déménagement. Des prix sacrifiés sur la lingerie de nuit, les maillots de bain, dont les marques au bas de Lise Charmel, Antigel, Primadonna, Simone Perel. On y va ? La maison du corset by Céline, 17 rue Baraton à Montluçon. Liquidation avant déménagement à partir du 10 octobre jusqu'à épuisement du stock, selon arrêté municipal numéro 55 du 5 août 2019. Élise Avenue, votre réseau.